Eh ben c'est de la bonne musique pour se mettre en jambes évidemment dès le matin. Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour ce deuxième épisode de Super Mario Bros Wonder. Eh, ça s'entend peut-être, là je suis en mode chill, en mode café, en mode matin, en mode matinée légère. Voilà, ça fait plaisir, donc je suis bien content de vous retrouver pour la suite. Et vous savez quoi, on peut changer, je savais pas, en pleine partie on peut changer pour la suite. On va jouer avec... Oh attendez, Carotin et le Yoshi ne subissent aucun dégât, mais ne peuvent pas utiliser les objets spéciaux. Aucun dégât, mais c'est pour les newbies ça. D'accord, bon ça c'est pour les newbies. Bon, on va rester sur Peach pour le moment. Vous me direz en commentaire si vous aimez bien le personnage, ça se trouve ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. Donc je me dis... voilà. Alors oui, on avait, souvenez-vous, cassé l'accès là, donc on peut continuer... par ici, et c'est un cul-de-sac visiblement, donc autant faire maintenant tout ce qu'il y a là, avant d'avancer. Voilà, ça peut être une bonne idée. Hop, on va récupérer ça tant qu'on y est. Qu'est-ce qu'on a là? Coup, passe et patin, difficulté 2. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas les amis, installez-vous confortablement, j'espère que vous kiffez ces petites vidéos un petit peu de détente, sans prise de tête. Voilà, ça change un petit peu d'habitude. Alors toutes mes vidéos sont sans prise de tête pour le coup ces derniers temps, mais ce que je veux dire c'est que là au moins on est sur un contenu très léger, oui on peut le dire. Ça fait du patin roller, incroyable hein. Hop, ça dégage la racaille. Mais voilà, en mode à la cool, le petit café qui fait plaisir. Alors, c'est quoi ça? Oh, mais non. Incroyable. Allez. Encore 4. Ah non, je le veux encore, moi. Oh non, je pensais que je pourrais utiliser comme je veux, moi. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Ok, d'accord. C'était... En fait, fallait tuer les... Alors, attendez, ne bougez pas. Ok, on peut marcher sur les nuages. Hop. Hop. Fallait me faire piéger. Et on se bandit. Donc, nous avons les deux pièces mauves. On a peut-être encore une dernière à récupérer. Ok, là-haut les gars, attendez, il y a quelque chose à faire là-haut. Oh, tu l'as vu? Tu l'as vu? Ok, il y a que dalle. Il y avait que dalle en haut visiblement. Très bien. Bon. Le petit checkpoint. Eh, je voyais le niveau plus court, je sais pas pourquoi, je suis con. Wouhou! Wouhou! Eh, wouhou! J'adore. J'adore, c'est de la régalade. Mais attendez, c'est cheaté, je suis en train de réaliser. Ah voilà, non mais je pensais que je mourrais jamais. Ok, ça me rassure quand même. Oh non. Je veux le... Ah, attends, alors je fais ça. Et hop, parachute. Oh dommage. Dommage. Je n'ai pas eu le point voulu. Bon, c'est pas bien grave. Passer patin toujours avec la dernière truc mauve là qu'on a besoin pour débloquer le grand niveau qui nous attend. D'ailleurs on peut le débloquer hein. On va justement enchaîner avec ça juste après. Oh purée, oh là là, on a ces cadeaux là, c'est cadeau, j'aime bien. Roulipo saute intermède, allez. Qu'est-ce que je suis censé faire là? Ok, j'ai capté. Hop. Ok, j'ai compris. Hop. Hop. Voilà. Carré. Hop. Merci beaucoup, graine prodige. Obtenu, voilà, graine prodige. Faut que je retienne ce nom, hein. Graine prodige. Par contre, il y a un panneau là-bas qui m'interroge. Qu'est-ce que c'est, les options? Pour changer les commandes, appuyez simplement sur plus pour ouvrir les options... C'est maintenant que tu me le dis? Mais MDR, c'est maintenant qu'il me le dit là. Ouais, c'est excellent. Bon, maintenant c'est trop tard, je me suis habitué aux touches. Je me suis habitué aux touches, mais c'est vrai que j'ai quelques galères de touches. Ah ouais, tu peux changer? Courir, sauter, mais non. Genre... Sans déconner là. Sans déconner, tu pouvais pas me le dire avant? B, courir. A, sauter. Non, mais je veux pas ça, moi je veux... Bon, bah on n'a pas le choix, dommage. J'aurais voulu vraiment changer entièrement. Bon, c'est pas grave. Allez, le dernier niveau ici, défi, c'est un défi badge, parachapeau 1. Très bien, bah écoute, bon là c'est vraiment la petite zone safe avant, avant la tempête hein, qui va arriver, bien évidemment. Maîtriser le badge.
Ouais, ça t'inquiète pas mon pote. Facile. C'est parti. Ah. T'inquiète. Allez hein. Je viens de perdre ma première vie pour rien. Pourquoi? Ah, parce que j'étais trop légère. J'étais trop légère. Voilà. C'est une blague? Pourquoi j'arrive pas? Voilà. Oh, putain. Elle était dure celle-là. Oh. Ok. Ok, checkpoint. Toujours activer ces trucs là. Ok. Ok, très bien. Hop, c'est pour moi. Attends. Ah mince, je voulais faire une glissade. Bon, c'est pas grave. Je récupère pas les petites pièces mauves tout le temps. Mais bon, en vrai, je pense que c'est vraiment pas bien grave. Oh, il va super vite. Ouais, bon, allez. Oh non, mais pourquoi j'arrive pas à avoir le... Pourquoi j'arrive pas à avoir le truc tout au-dessus? Truc de ouf. Bon, au moins ça me fait cadeau. Ça me fait cadeau du badge prodige. Voilà, ça au moins la boucle est bouclée. Toute la zone est quadrillée. On peut même encore surtaper le point d'interrogation. Voilà. Comme ça, c'est cadeau. Alors, continuons par ici. Donc, ici, on avait tout fait. Ça, on a récupéré. Ça, on a récupéré. Ça, c'est le jeu en ligne. On a récupéré ce niveau. Ensuite, on était allé en bas dans le tuyau. Par contre, attendez, il y a un truc qui me chagrine. Oh non, on avait tout récupéré. Non, mais parce que vous vous souvenez à un moment donné où je suis resté coincé 2-3 minutes, où il fallait choisir un tuyau. J'ai pris le tuyau du milieu, mais peut-être qu'on pouvait prendre le tuyau qui était en haut à gauche. Ou pas, hein. Bon, combien d'étoiles? Qu'est-ce que c'est que ça? Avez-vous jeté un œil? La difficulté de chaque stage. Plus un stage a d'étoiles et plus il est corsé. Bien sûr. Mais nous on aime la Corse ici. Nous on aime la Corse ici. Moi je suis un Alsacien qui aime la Corse. Étonnant me direz-vous, n'est-ce pas? Défi badge, saut d'escalade. C'est parti mon kiki. Encore un petit défi. Franchement là c'est que du chill. Avant la cata. Hein. Là il va nous arriver des dingueries. Saut d'escalade. Sauter contre une paroi et appuyer sur B pour sauter à nouveau vers le haut. Ça c'est pas un badge ça. Ah ouais d'accord. Attendez. Comment je vois mes badges? Ah je peux pas en plein niveau. Très bien d'accord ok. Ah ouais ok. Ah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Plutôt que faire ça et ça, je peux monter directement. Oh là en ligne droite. D'accord. Ah c'est pas mal. Mais c'est nouveau ou... Parce que jusqu'à... Merde jusqu'à présent je l'ai pas fait j'ai l'impression. Bon là, je commence pas à me choper par le callback. Voilà, là écoute, on va faire ça, 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 ça. Oh non, je voulais la pièce. Ah oh, dommage. Bon, ben comme d'habitude. Ah, ah. Ok, on peut le faire qu'une fois, donc attendez, on fait... Je sais comment faire. Oh non, ben là, il faut pas abuser. Je sais comment faire. Un coup, voilà. Et hop là, voilà. Ah, faut prendre les mécaniques. Je vais vous faire des gameplays de zinzin là dans 3-4 épisodes. Hein. À mon avis, ça va pas être triste. Défi badge, saut d'escalade terminé. Tata, hein, merci à tous. Impeccable. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses, puisqu'en effet nous avons donc le gros manoir, le badge que tu viens d'utiliser en cadeau. Oh, vas-y. Donc maintenant je n'ai plus le parachute, mais je vais pouvoir escalader les murs, mais je pense que j'en aurai besoin dans ce niveau-là. Il me faut donc 14 graines prodiges pour le débloquer, chose que j'ai. Là-haut on a encore quoi? Cavalcadado de Courceratops, difficulté maximale. D'accord, et ça c'est quoi comme difficulté? Je ne sais pas, faut débloquer d'abord. Allez, on va débloquer pour voir ce qui va se passer. Ah bah, c'est même moins dur. Difficulté 3. Bon, bah écoutez, on va commencer dans l'ordre alors. On va faire ça, puis après on fera la difficulté maximale juste après.
On va reprendre le palais. N'oublie pas que tu peux appuyer sur R si tu veux changer de badge. Ah bon? Ouais, mais ça, je peux pas le faire maintenant. Il fallait que je le fasse avant. De toute façon, je pense pas que j'aurai besoin de parachute, à mon avis, dans le manoir. Par contre, j'aurais besoin de faire ça et ça. Oui. Oh putain. J'ai eu chaud au kiki. Oh, alors par contre, là, les souvenirs qui reviennent. Sur Nintendo 3DS. Quand tu jouais à Super Mario et. Ah, c'est rigolo ça. Et que t'avais les squelettes. Et. Sauf que là, la différence, ces squelettes-là, t'as vu. Ils meurent entièrement. Moi, je me souviens qu'ils se réparaient au bout d'un certain temps. Hein, pour ceux qui ont joué sur Nintendo à l'époque. Ils réapparaissaient au bout d'un moment. Hop, ça dégage la racaille. Oh. Oh putain. Oh, il a été tellement malin. Il a été tellement malin. Oh, c'est fou l'intelligence artificielle. Alors attendez, bougez pas. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Faut que je passe par en bas. Hop. Oh merde. Comment je vais faire? Voilà. Bah ouais, mais. Attendez, mais c'est complètement con. Ok. Voilà. On a une fleur bleue ici. Je peux aller dans le tuyau peut-être, non? Comment faire pour aller en bas? Mais si. J'ai compris, il y a un truc à faire. Non. Non, ah non, même pas, mais non. Attendez. Ah si, le squelette se reforme. Il va se reformer. Bon bah j'ai rien dit. Bon bah c'est comme sur Nintendo DS. Ok. Bon, malheureusement j'aurais raté certaines choses. Parce que j'ai pas tout à fait tout compris. Ah, par contre là. Ça. Ça je prends. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Bon allez. Plus que 11 vies. Ça va vite durant cet épisode, vous allez me dire. Un petit champignon. Voilà. On dira pas non. Ah, c'est chiant ça. Très très chiant. Eh ben, de toute façon, je peux pas y retourner. Tant pis. Oh, attendez, par contre. Oh non. Ok. Ok. Allez, superbe. Change pas, t'es la meilleure. Oh non. Voilà. Oh non. Voilà. Ah non, on va pas commencer à me faire chier lui. Hein. Hop, on va quand même récupérer ça par principe. Étant donné qu'on est passé à côté de beaucoup de choses. Et j'ai l'impression qu'on va arriver à la salle du boss final. Sauf que là, je suis. Ah non, pas du tout. C'est vraiment que le checkpoint. Ah bah si. Si, si, c'est la salle du boss final. Le problème, c'est que. Ah si, on aura quand même le droit à un truc. Ok. Alors ça me va. Parce que là, je me voyais mal l'affronter. De cette façon, bonjour. Vous croyez que vous allez m'arrêter? Bon, c'est d'accord, je veux bien jouer avec vous. Ce palais est tout plein de la puissance prodigieuse de mon papounet. En gros, vous avez aucune chance de me battre, mais je vais vous laisser essayer ça va être rigolo. Ah, oh, c'est le petit enfant, ça va. Allez, hein, un bonheur. J'ai foutu en l'air tout mon plan. C'est pas grave. Mais quoi? Non, là par contre. Voilà. À un moment donné, il faut bien que je puisse te. Oh. What? Non, mais là, mon ref. Ah. Ok. Pourquoi je suis grand d'un coup? Oh! Je peux le faire tomber? Ok. Et en fait, j'ose pas lui sauter dessus là. J'ose pas lui sauter dessus. Allez, c'est lui. Mais attends, qu'est-ce que je suis censé faire là? Arrête de faire l'enfant. Voilà. Wesh. Ah oui. Ah bah là, dans ce sens, c'est un peu moins fun quand même. Attends, j'arrive à passer par au-dessus. Oh, là j'ai pas de vie hein.
Attends, tu veux que je fasse comment là? Ok, je saute. Ok. Oh non. Oh, je me suis tellement chié dessus. Oh, merci. Au moins, ce sera déjà ça. Hop. Je sais pas combien de fois je dois le toucher. Oh non. Oh non. Oh non, mais putain. Mais c'est pas vrai. Voilà. Bah, j'aurais galéré, hein. Coriace quand même, le Bowser Junior là, hein. Très coriace. Avec sa petite bavette là. Et nous avons une graine prodige de luxe. C'est ce truc. Ah ouais, graine royale. La classe. Allez. Ça c'est vraiment la classe. Palais de la plaine des tuyaux. Ouh. Oui, j'ai libéré le château. Waouh. C'est quand même plus jovial. Merci, Beach. Vous avez vu? Pas besoin de Mario. Nos héros avaient enfin repris le contrôle du palais. Tenant fermement la graine royale, ils se mirent à poursuivre Bowser, qui avait fusionné avec le château. Pourront-ils empêcher Bowser de mettre à exécution ses plans diaboliques? Putain. Amuse-toi bien. On est en train de sauver le monde, l'autre il me dit amuse-toi bien, quoi. Complètement déconnecté de la réalité, le bug. Ça, c'est fait. Petit feu d'artifice quand même, évidemment. On va pouvoir continuer donc par là. Un peu plus loin se trouve le cœur du royaume des fleurs, un archipel qu'on appelle les îles florales. Tâchons de rattraper Bowser. Mais attends, mais non, mais pourquoi? Pourquoi tu me forces? Bon, donc nous voici sur l'île florale. Nouvelle île débloquée. Sauf que moi, je voulais faire encore un truc. Bowser ne doit pas être bien loin. Ouah, c'est quoi ça? De quoi? Oh merde. Ah oui. Les nuages piranhas ne laissent passer aucun empêcheur de tourner en rond. Ce qui veut dire que j'ai tout le loisir de canaliser la puissance prodigieuse. Dès que j'aurai amassé de quoi faire un grand prodige, je pourrai enfin faire ma basse... faire main basse sur le monde. Évidemment, bien évidemment, ok. C'est épouvantable, on ne peut vraiment rien faire pour l'arrêter. Bien sûr que si. Oh. Mais que se passe-t-il? C'est la graine prodige, bien sûr. Paf, dans tes dents. Ah. Eh ben, on lui a volé son nuage piranha. Il a trop le seum. Impeccable. Toute cette puissance avec une graine royale seulement. Eh bien voilà, voilà notre solution. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais est-ce que tu pourrais m'aider à récupérer d'autres graines royales? Ce sont les trésors du royaume des fleurs et je crois bien que c'est grâce à elles qu'on va le sauver. Les graines royales chasseront les nuages piranhas qui entourent Bowser. Chassons-les tous et on pourra l'atteindre. Ok. Très bien, allons au palais situé au sommet du Mont Nébuleux au nord. Ok. Bon, si j'ai bien compris, la graine royale, c'est quand tu fais un boss, un château boss, comme on a fait juste avant. Mais du coup, là, ce truc-là, tout de suite là à droite, ça doit être le boss, le géant boss, genre le boss final. Mais peut-être pas le boss final du jeu, mais le boss final de l'île. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Mais, je veux retourner à la plaine des tuyaux d'abord. Ah, bah regardez. Comme ça, on a une petite vue d'ensemble. Ouais, ouais, je pense que c'est... Eh, c'est peut-être le boss final en plein milieu, hein. En vrai, hein. Vu qu'on est en plein milieu, il y a moyen. Bon, moi, je voulais... Ouais, c'est ça. Faire ça, la cavalcade à dos de Coursératops. C'est fun, en vrai. J'ai envie de voir comment on fait pour se mettre à dos, Si un stage vous pose problème, essayez d'en faire un autre. Ok. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Et merci, bonsoir. Eh oui, il faut que je reprenne mon parachapeau. Hop. Eh oui, je croyais que j'avais le parachute, mais il n'en était rien. Alors attends, je vérifie que la touche est bonne, parce que bon, je me connais. Ok. Oh, ta gueule.
Oh oh. Oh oh. Comment c'est possible de mourir dans l'introduction? Je ne sais pas. What? Oh. Ok. J'ai rien à faire, trop bien. Trop bien. Bon, j'ai déjà raté pas mal de pièces malheureusement. Oh non, mais je suis con. Mais non, moi je croyais que c'était un champignon. Oh. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi je prends des chemins débiles? Oh non. Oh. Non. Mais non. Mais putain de jeu de merde. C'est pas possible. C'est quoi ce jeu de merde? Ah non. Abusez pas des bonnes choses non plus, hein. Ça peut très vite me saouler, messieurs, dames. Oh là 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 là. Allez, on y retourne, on y croit. Allez, venez voir la racaille. Regardez, on dirait on libère les animaux du zoo, là. C'est quand même légendaire. En légende. Bon, là, je vais me laisser faire, j'ai rien à faire. Tant pis pour les pièces. Tant pis pour les pièces, là, mais... Oh oui. Ça, je prends... Foufoufou. Toujours rester sur le devant, visiblement. Oh non. Putain, j'ai pas eu ma pièce. Oh là 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 là. Ah, j'ai pas le choix de passer par là. Mais c'est trop de la merde. Eh, franchement, les gars. C'est impressionnant. J'en bois mon café de manière fâcheuse. Ah, oh, c'est impressionnant quand même comment c'est exagéré là, non, un peu. Tu m'étonnes, la difficulté, elle est grande. En même temps, il faut être capable de le faire parce que sinon on n'arrivera pas à avancer dans le jeu après. Donc, faut voir les mécaniques. Et même ça, j'arrive pas à récupérer les pièces. Impressionnant. Ok, vas-y, j'essaie de prendre toutes les pièces bleues. Oh non, j'en ai loupé une. Putain, ça les têtes. Ok. J'ai pas eu la pièce 10 encore une fois. C'est pas grave, là, on anticipe vite. Allez, voilà. Voilà. Allez, hein, comme d'habitude. Non, mais frère. Mais tu veux faire comment? Il y a un escargot qui t'empêche de sauter. Il me reste 8 vies. Je viens de claquer 10 vies, frère. Je viens de... Ça y est, Dark M. Colo est de retour. Ça va dire des wesh, ça va dire des frères. Je vais me fâcher. Voilà, je vais me fâcher. Moi, je me dis, il y a des enfants qui jouent à ça. Moi, ça me fait péter un plomb. Allez. On se concentre. Heureusement, je sais qu'il y a un champignon qui m'attend. Voilà. En fait, la clé, c'est l'anticipation. Oh, j'aurais pu récupérer la pièce. Bon, là, je sais que je dois y aller. Hop, on perd pas de temps. Et là... Bah ouais, c'était pas là. Ok, j'ai. Ok. J'ai. Oh non. Oh non. Oh non. Ok, graine prodige obtenue, let's go. Let's go. Oh, j'ai réussi à m'en sortir. Me demandez pas comment. Bah écoutez, j'ai claqué 4 vies. Hein. J'ai claqué 4 vies. Oh, j'aurais pu faire un jump sur... Ok, on peut faire un jump sur lui, mais tu veux que je fasse comment? Mais attends, moi je peux pas. Je peux pas. Allez, va te faire foutre, c'est bon, ça m'a saoulé. Je vois pas à quel moment tu peux monter là-haut. Bref, hein, ça c'est fait. Ouais, c'est vraiment pas facile. Hein. Par contre, du coup, on a obtenu 2 graines prodiges dans le même niveau. Et ça, on n'a jamais réussi jusqu'à présent d'avoir... Je sais jamais où étaient les graines prodiges dans les niveaux. J'en ai jamais récupéré. Ouh, magnifique image. Magnifique image. Voilà, donc là, on a clean à 100%. Et on a bien fait parce qu'on vient de se prendre 2 graines prodiges quand même dans la figure. C'est pas mal, hein. Attendez, on a fait ça? Ah oui, on l'avait fait, j'avais oublié. Ouais, donc on a vraiment bien fait et on a clean toute cette île. Donc là, on va pouvoir s'occuper donc de l'île florale. Ouais, c'est peut-être le boss final au milieu. Il y a moyen. Bon. C'est quoi ça? Ok, donc ça, c'est les maps. Ouais, donc là, on a justement fait tous les niveaux. On va pouvoir passer par là. Cabane du pêcheur. Ok, on fait une petite halte. J'aime bien.
Ce voyou a fait fuir tous les poissons, il n'y a pas moyen de pêcher avec lui dans les parages. C'est terrible, je dois absolument intervenir. Ne t'inquiète pas, nous chasserons Bowser. Les poissons reviendront dès qu'il sera parti, je te le garantis. Vous allez vraiment faire ça pour moi? Ouais! J'adore comme il s'ouvre à nous à chaque fois. J'ai les pétales qui frétillent. Alors... Bon. D'accord. Elle est super belle. Ok, donc c'est une graine, une nouvelle graine qu'on vient de débloquer. Graine prodige obtenue, mais elle est pas mauve. Ok. Bah, j'aimerais bien la récupérer. Sympa. Merci. Ok, une graine prodige. Mais attendez, je comprends pas. Je viens de me faire arnaquer. Attendez, je viens de me faire arnaquer, je viens de comprendre un truc. Les graines prodiges que je viens de récupérer dans la plaine des tuyaux ne me servira à rien. Oh, regardez, j'ai 20 graines prodiges. Oh non. En fait, c'est pas les mêmes graines prodiges différents des maps. J'ai trop le seum. Bon bah, on a claqué 4 vies pour pas grand chose. Bon, allez, tant pis, c'est pas grave. Donc là, il nous faut vraiment des graines prodiges classiques. Défi badge, coup du dauphin, bassin des Limanges. Allez, on va commencer par le bassin des Limanges et puis après, on fera un petit défi pour se détendre. Vaut mieux commencer par le plus dur. Donc là, je rappelle que j'ai les parachutes sur moi. Oh, c'est beau. Mais c'est pour ça qu'en fait, je voulais vraiment faire un let's play sur Super Mario Bros. Wonder. C'est à cause de la vivacité des couleurs. C'est tellement agréable. Ça fait tellement du bien en hiver d'avoir des couleurs comme ça. Voilà, il me manque juste une copine. Et puis ça part quoi. Voilà, allez hop. Ça régale. Alors, comment descendre? Là c'est aussi une vraie question. Et ben voilà, suffisait de poser la question. Voilà, bon, rien à péter des fleurs. Des fleurs, des pièces. Aïe. Ah ouais, bon là ça c'est du piranha de qualité hein. Ça, c'est du piranha de qualité. Oh, bouge pas mon copain. Ok, j'ai une étoile. J'ai l'étoile mystérieuse. C'est l'heure de la question coco, la question kikine. Ok. Oh. Putain. Mais ouais, mais en fait... Alors, je veux pas chercher des excuses, être de mauvaise foi, mais... Avouez quand même qu'il est venu vachement rapidement et que t'as pas le temps de faire demi-tour. Sans déconner. Hop, viens. En vrai de vrai. Eh, c'est pas facile. Allez, je vais vous proposer un gameplay déception. Non mais t'as pas le temps de réagir, de savoir où c'est qu'il va sortir. Et de savoir où te placer, c'est terrible. Regardez-moi ça. Bon. Ok, là c'est bon, c'est passé. Alors c'est même ce qui me donne l'étoile là où il n'y en a pas besoin. Oh non. Voilà. C'est là que je me suis fait avoir. Ok. Ça passe. Ah non, c'est là que je me suis fait avoir. Ok. Le petit checkpoint. Ok. Petite cascade. Ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien. Allez, ça dégage la racaille. Rentrez à la maison, rentrez chez vous. Confiné. Oh putain. Ah ouais, il y a des courants de... Oh. Encore un checkpoint. Attendez, on a déjà eu un checkpoint avant, non? Hop, je prends ça en rab. What? Je peux descendre? Ouais. Où c'est qui m'emmène? Ah, faut récupérer les... Je fais comment? Oh, c'est légendaire. Eh, faut... À la fois, faut être rapide, mais en même temps, faut prendre son temps, finalement. Hop. Ok. Là, c'est pareil, il va nous débloquer l'accès. Oh non! Dommage. Ok. Voilà, faut qu'il fasse pareil ici. Ah, c'est intéressant comme...
comme gameplay. Oui, ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien. Ah mais en fait à chaque fois il veut me choper moi. Ça y est, je viens de capter. Ouais d'accord. Parce que je me suis dit mais c'est con. Il fait que d'avancer. Bah c'est bien. Mais c'est moi qui dois avancer pour lui donner envie de me... Voilà, viens là frérot. Voilà. Parfait. Change pas, t'es le meilleur. Hop. On a récupéré tout ça. Et ça nous fait du coup une graine prodige à récupérer. Hop là. Let's go. Ok. Quel choc. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. On ressort. Enfin, on ressort. C'est vite dit, on est toujours dans l'eau. Là, on ressort. Et là, on va prendre un maximum d'élan. Pas du tout. Ah si, putain. Attends. Mais c'est complètement con. Bon. Comme d'habitude. Comme d'habitude, je ne vois pas comment faire. Allez. Ça, c'est fait. Le niveau est terminé. Le premier niveau de ce deuxième monde. Ça nous fait déjà 3 graines prodiges. En vrai de vrai, ça va quand même relativement vite. Donc c'est plutôt chouette. Merci monsieur. Très belle vue, très belle île. Et ouais, là du coup, il faut 2 graines prodiges pour débloquer ça. Donc c'est absolument parfait. Là c'est pour jouer en ligne. Et là c'est un petit défi, donc coup du dauphin. Et comme ça, on va aussi débloquer une petite graine prodige. Donc évidemment, on ne va pas dire non. Votre badge équipé change automatiquement à chaque défi badge. Ok, donc là c'est un nouveau badge, coup du dauphin, et on va le débloquer également à la fin. Sous l'eau, appuyez sur R pour accélérer brièvement. Ouais, mais c'est chiant parce qu'on peut pas changer dans le niveau. Donc en vrai, ça me sert à rien. Ouais, ok, super. Mais du coup, une fois que je suis en dehors de l'eau, ça me sert à rien. Je préfère largement avoir le parachute. Parce que là, franchement, je suis mort. Non, c'est bon. Ok. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. J'ai l'impression que ça va se refermer sur nous, mais on voit pas du tout. En vrai, c'est pas mal. Ce badge, il est vraiment pas mal. Mais très peu utile pour moi qui aime le parachute. Voilà. C'est à moi ça. Partage, c'est Noël. Ah non, c'est fini. Bon, c'est insupportable, hein. J'entends bien, hein, mais... mais ça me permet de bien avancer. Ok. Tu vois, genre là, j'ai pas le parachute. Ah! Eh! Ah! D'accord. Là, je peux monter. Non, parce que je me suis dit à un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Comment tu veux que je fasse? Voilà! Prodigieux! Bah, il était temps que j'y arrive. Ça, ça fait plaisir. Et du coup, 4ème graine prodigieux. Pour le moment, ce world, ce monde-là, c'est un parfait. C'est un perfect. Plutôt pas mal. Combien de temps ça va durer, ça je ne sais pas encore. Oh yeah. Allez, on va débloquer le... on a reçu le badge, bien sûr. Non, non. On va rester sur le parachute. On va s'équiper... enfin, on va s'équiper. On va débloquer donc... ce gros niveau. Et voilà, toc. Grotte maritime des Piafilou. Ok, bon. Dans ce cas-là, on va quand même s'équiper le badge dauphin. Bah oui, mais bon. Heureusement, ils préviennent quand même. Là, je pense que le parachute, on n'en aura pas besoin non plus. Voilà, donc pour le coup. Allez, on se bordine. Oui, on se bordine. Attends. Hop. Ah! Bon, il me vole mes pièces. Donne. Mais c'est quoi cette merde? Voilà. Parce que sans ça,
Sans mon badge, je n'aurais pas pu défoncer ça et avoir cette petite pièce. L'eau de mer, ça a quel goût? Vaut mieux pas la boire, c'est un conseil d'ami. Ok. Voilà, alors ça déjà. Hop. Ça, hop. Et ça, on défonce. Ok, y'a rien. Dégoûté. Peut-être ici une pièce. Et ben voilà! Suffisait de la demander, c'est la dernière des pièces, donc j'ai dû tout louper. C'est pas bien grave. Oh, je viens de prendre ces raccourcis, frère. Bon, j'ai pas compris, j'arrive pas, ça me saoule. Allez, salut la racaille, je me casse. C'est juste pour avoir 3 pièces, j'ai pas envie de me mettre en danger pour 3 pièces, hein. Franchement les gars. Comment on fait? Attendez, déjà on peut casser ça, j'ai l'impression. Mais ça sert à rien. Ah si, je peux aller en bas peut-être. Ah, voilà. Non, ça sert à rien. Non mais ça sert à rien d'aller en bas. Ok. Bon bah je vois pas comment. Ok, faut aller sur les palmiers. Faut aller sur les palmiers. Allez. Tout n'est qu'une question de perspective. Et vous savez quoi? Voilà. Si vous n'avez pas vu mon let's play de 4 épisodes sur le jeu Superliminal, allez le voir dès que possible, vous ne regretterez pas. Et vous comprendrez pourquoi j'ai dit cette phrase, tout est une question de perspective. Et c'est assez intéressant parce que tu vois, ça marche même sur Mario évidemment. Donc c'est assez rigolo. Voilà, je pensais pas qu'on pourrait monter sur les palmiers, mais... je l'avais quand même senti venir gros comme une montagne. Ok. Oh là là, j'ai vraiment eu peur. Normalement, les oiseaux, je les regarde de très loin. Bref, après toutes ces émotions, j'ai besoin de quelque chose pour me changer les idées. Et justement, il paraît que Poplin vend un badge lié au bloc dans son bazar. Oui, Florian. J'ai pas la mémoire courte non plus. Hein. Enfin, si, mais bon, c'est pas... je vais me le rappeler tout le temps. Voilà, donc là, c'est le bazar. Donc, on peut acheter son badge. Bloc bonus. Ce badge ajoute des blocs au stage. Ces blocs peuvent, entre autres, servir de plateforme où contient des objets. Alors, je vais être très honnête avec toi, j'en ai rien à péter de ton badge. Je ne vais pas l'acheter. Par contre, en ce qui concerne la graine prodige, ça, je t'achète. Ah, on peut pas en acheter autant qu'on veut, là? J'ai trop le seum. J'ai trop... je pensais qu'on pouvait acheter tant qu'on avait de l'argent. Trop nul. Ça, c'est les champignons one up. Il n'y a pas de promotion? 5... 5 x 5, 25. Ah si, bah si, il y a une promotion. Allez, je prends... je prends 5 vies supplémentaires. Ah, j'ai fait une bonne affaire, j'ai économisé 5 pièces. Ouais, le bloc bonus... vas-y. Je suis un Yankli, mais à mon avis, il le faut, parce que s'il me le propose... s'il me le propose, c'est qu'il y a une raison. Hein. Vas-y, on va essayer le... on va essayer le badge. J'imagine sur le niveau là. Escalade du nid de Sardecane. Allez. On va escalader. Ah bah tu vois, j'aurais peut-être dû prendre le badge d'escalade. Oh putain, mais c'est pas possible. Oh. Ah. Ah non. Je pensais que là, ça aurait pu avoir son utilité. Ok, on peut monter. Parfait. Impeccable. Attends, mais là, ça sert à quelque chose, c'est sûr. Non. Voilà. Ça le racaille. Évidemment, je saute quand il faut pas. Voilà. Oh, des bulles. Trop bien. Princesse aime les bulles. Excellent. Oh, je vais redescendre. Pour ça, je veux bien risquer un petit peu ma vie. Comment faire? Comme ça. Comme ça. Voilà. Ok. Hop. Bah là je peux pas récupérer le point d'interrogation. Si, bien sûr, regardez. Ah si, attendez. Voilà.
Impeccable. Ah, j'aime bien ce niveau. Celui-là, il est pas... Il est pas évident, et puis... Très intéressant. Ah merde, j'ai arrêté la carapace, mais c'est pas grave. Hop. Attends, mais ils sortent à l'infini de leur terrier, là. Oh non. Ok. Allez. Ça dégage la racaille. Salut. J'ai le droit encore à ça. S'il te plaît, donne. C'est trop bien, ça. Hop, 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 hop. Impeccable. Impeccable. Dommage. J'aurais pu faire un petit domino. Ok. Ça se passe plutôt bien. On grimpe au lian tel Tarzan. Attends, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien là. Mais il n'y a rien à faire là. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Bon, c'était un leurre. C'était pour me donner envie de mourir, peut-être. C'est une probabilité également. Bonjour. Allez, c'est parti. Oui. Allez, prodigieux, bien évidemment. Nouvelle graine prodige obtenue. Ça, ça fait plaisir. Bah, les amis, on avance plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Ah, j'en ai loupé une. J'en ai loupé une. Je vois pas où. Ouais, non, je vois pas. Il y avait peut-être un passage à quelque part, un petit passage secret comme d'habitude que j'ai pas vu, c'est pas impossible. Donc là on débloque un petit pont. Et on va arriver sur un cul-de-sac. Ah non, pas du tout, on va pouvoir continuer là à droite après aussi. Et ainsi de suite. Ouais, on va faire le tour en fait de... On va faire le tour du boss qui est au milieu quoi. Donc on verra, c'est peut-être le boss final. Peut-être pas. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on peut débloquer du coup... De même ce petit château. Si je puis dire... Ce petit château, le mont nébuleux que nous ferons dans le prochain épisode, s'il vous plaît. Ah. Ok, il faudra traverser. Ok. Ah ouais, c'est encore un autre... Ah mais non, c'est le monde. C'est un autre monde. Le monde 2. Alors attendez. Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris. On va y aller du coup. Île florale. Ah. Cette vue est splendide. Elle est rien qu'à moi. Ok. Ça y est, j'ai capté. Oh, c'est magnifique. Magnifique. C'est le monde de le mont nébuleux. En fait, là, depuis tout à l'heure, l'île florale, c'est pas un monde à part entière. C'est vraiment l'île finale, en fait. Nous voilà au mont nébuleux. Il devrait y avoir une graine royale au sommet. Voilà. Le but du jeu, c'est d'avoir les graines royales. Ok, donc en gros. En gros, je vais ouvrir la carte. C'est beau, hein. Hop. C'est pas là. Hop, voilà, en gros. Bon, on avait le monde 1 dans lequel on a absolument géré. Donc, on gagnait des graines prodiges qui nous ont permis de débloquer le final, la graine royale. D'accord. Ensuite, bah, le monde 2, c'est pareil. On va devoir débloquer des graines prodiges qui vont nous permettre de débloquer la finale, la graine royale. Et ainsi de suite. Et les graines royales vont nous permettre donc, dans l'île florale ici, de faire le boss final au milieu. Voilà, ok, très bien, bah, c'est plutôt clair et net. C'est plutôt clair et net, très bien. Du coup, bah, on va s'attaquer au monde 2 dans le prochain épisode, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like qui fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette petite aventure. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.